Voilà, le virage à droite. Le virage à droite, et c'est le Rheinkitchen qui aborde le sprint en tête. Le Rheinkitchen, Gladys Virulz. Le Rheinkitchen, Gladys Virulz. Quant à la Brésilienne, elle était un petit peu plus en retrait. À la sortie du tout dernier virage, elle s'en va maintenant. Dans les 400 derniers mètres, toutes les mains vont se lever. Pour relancer des Gladys Virulz peut-être. Gladys Virulz ici, à celle qui était championne de France, par exemple, placée. Victoire de Gladys Virulz. Deuxième place de la Rheinkitchen, troisième. Et c'est Flavia Maria, d'Oliveira Paparella, la Charente-Maritime Women Cycliste qui place Gladys. Gladys Virulz ici, elle était championne de France Espoir. Elle est cette saison la vice-championne de France chez les Espoirs. Elle remporte la pute charentaise. Le sprint est pour les places de 4e et de 5e ici, avec Victoria Gilman qui est la 4e. À la 5e place, Emily Van Garten. Le sprint pour les places de 6e avec Iris Sachet. À la 7e place, on retrouve ici la victoire de Gladys Virulz sur ses routes sur la pute charentaise. Gladys qui vient chercher une superbe